20 ans et des chiffres plein la tête. Sorti major de sa promotion en DUT gestion, Kevin poursuit sur une licence. Il doit jongler entre ses études et le cabinet de comptabilité auquel il collabore. Je me suis inscrit en non assidu pour que je puisse venir au travail et je suis employé pour 135 heures. Et du coup, je ne travaille pas le vendredi. Et le vendredi, ça me laisse le temps de pouvoir aller à l'université pour récupérer les cours et les travaux dirigés pour pouvoir travailler sur ma licence. Un cursus par étape pour devenir expert comptable. Le métier demande rigueur et organisation. J'aimerais bien être expert comptable et commissaire aux comptes. Et pourquoi pas expert judiciaire, mais c'est au niveau Bac plus 8. Du coup, je compte, ça se fait par palier, je passe le Bac plus 5 pour pouvoir ensuite m'inscrire dans le diplôme d'expertise comptable. Il est très intelligent, donc il comprend vite. Mais oui, il y a plein de petites erreurs qu'il faut apprendre avec le métier pour ne pas tomber dedans, en fait. Tu sais qu'il est major à l'université. Oui, c'est un VIP. Loin des finances, Mariana, 24 ans, préfère les grands espaces. Mais pendant ses études en licence de géographie et d'aménagement, elle partage ce petit studio avec son compagnon. Ce qui m'embauche, c'est en même temps lui il travaille. Donc c'est comme ça un peu qu'on fait pour payer en même temps le loyer. Malgré des débuts difficiles, Mariana est aujourd'hui récompensée par sa persévérance. Ça a été une satisfaction pour moi puisque finalement, tous les efforts que j'avais fournis durant ces 3 dernières années ont finalement été récompensés non seulement par l'obtention de ma licence et en même temps par le titre de majoration. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Dans l'amphithéâtre de l'université, chacun reçoit son attestation face à une assemblée de parrains, professeurs et familles, tous remerciés pour leur soutien. Sans toutes ces personnes, la Russie ne serait pas. J'ai remercié d'avoir réussi, m'avoir toujours soutenu dans mes études jusqu'à présent, de m'avoir toujours encouragé, d'avoir toujours été là. Un avenir déjà bien tracé pour les 13 étudiants majeurs de promotion 2018.